Bien, sénateur Nord-Ouest, Claude Augustin, président bloc majoritaire dans le Sénat. Bon, là, on va l'intéresser, vous connaissez, parce que le bloc, ça a toujours là. Parce que c'est un dernier détail de quelques blocs là, quelques blocs qui fait des sorties, par proposition, quoi, bloc a été de prêt suite à l'événement de 7 juillet. Mais tout d'abord, tout sous séance, c'est qui va conduire à démission. Premier Jacques de la Fontaine, et puis garder lui-même, au niveau pas, au niveau bloc majoritaire, qui, gens, comprennent. Et bien, démarche pour choisir un nouveau premier ministre, t'as lui fait. Est-ce que déjà, ou non, tu es capable de suggérer à président de la République là, n'a pas le bien de tout ça, avec le sénateur Augustin. C'est pour une fois, nous recevons la mise au point, sénateur. Merci parce que nous sommes disponibles pour TNH. Bonjour, monsieur Lendeur, et bonjour à toute population haïtienne, et bien évidemment, mon Nord-Ouest qui a recevoir TNH dans le moment. C'est un plaisir pour me participer dans la mise au point ensemble avec vous, pour répondre à diverses questions qui intéressent l'actualité, je veux dire. Vous avez souci à samedi? Oui, nous avons suivi séance. Ça de séance. Et juste avant, je pensais que c'est séance là qui paraît plat de résistance par rapport à débat que ça a suscité sur la formalité procédurale que le Premier ministre a choisi pour la démission. Et nous avons dit que le jour événement 6-7 qui était passé en Haïti, nous devons sortir une note, pas nécessairement une note de la majorité, pour nous faire remarquer que nous étions quand même frustrés par le fait que non seulement ça arrivait, mais en même temps tout, l'exécutif n'a pas contacté nous dans la décision qu'il a pris pour nous monter pour l'essence là. Et que peu importe l'explication qui est capable de justifier ou pas, nous pensons que nous n'avons pas nous pour nous dire nous avons l'idée à demander opinion par nous comme majorité. Et ça a été venu mettre nous dans une mauvaise posture. Et à partir de ce moment, nous croyons que nous avons fait lecture par nous. J'aimerais que le bagage qui était inopportune, qui était injuste, parce que nous avons été monté de manière extraordinaire et nous avons été obligés pour l'opposition. Nous avons été venu leur montrer effectivement, ça vient peut-être 4 jours. Et bien, tu as gagné au niveau du Sénat des sénateurs qui t'a pensé pour te faire une interpellation. Et bien, parmi les collègues majorité, ça qui t'a signé en dans pétition, ça que tu as fait une liste qui t'a monté, liste soit étant dicté dans la rue. Bon, moi, je te dis que en tant que le monde qui a soutenu le gouvernement, il importe que le président du gouvernement entendait que son liste m'a pas signé pour me faire. Et d'autant plus que nous avons estimé que l'interpellation par nous n'est pas trop opportune pour la seule bonne raison que tu as gagné une interpellation par devant la chambre députée, les collègues, nous avons chita ensemble, nous avons discuté, nous avons dit leurs amis, ce n'est pas que nous désolidarisons avec eux, au contraire, nous venons avec ferme conviction, il faut que le premier ministre parte, il faut qu'il démissionne, mais cependant, en tant que nous avons supporté la majorité, il était pas être un petit genre pas correct que c'est dans la radio, dans la liste, nous signer. Donc, il faut que nous ayons courage à nous en tant que sénateur de la République pour nous camper devant le président que nous habitués à parler avec lui déjà, pour nous dire que nous ne pouvons pas attendre de continuer et supporter le gouvernement et que nous demandons démission au gouvernement. C'est ce qui a été fait après, à la suite de la rencontre ça, que des sénateurs qui étaient signés tant que Fétière, tant que Sildor étaient effacés dans eux. L'histoire est venue réduite à 6 et nous étions le président, nous parlions ensemble avec lui et nous rencontrions ensemble avec lui. Il y a un sénateur Fétière là, sénateur Sildor, sénateur Jean. Et nous dit clairement que nous voulons que le Premier ministre démissionne parce que j'ai un bagage comme ça capable de passer et puis pour nous rester n'a pas gardé. Évidemment, pendant que nous demandons le Premier ministre démissionner, nous pas avons dit que la police était un comportement correct. Mais sur le plan formel, il y a l'émanation du Parlement, nous demandons que le PM démissionne. Apparemment, j'ai l'impression que le PM n'a pas encore une nouvelle ça. Mais là, nous dit président ça, qui sa réaction, est-ce que nous devons vraiment intéressé à ce que Jacques de la Fontaine aller? Bon, évidemment, le président n'a pas intéressé pour le Premier ministre aller, mais cependant, nous sommes clairs sur la question par nous et nous sommes sortis ensemble avec lui de commun accord, il faut qu'il démissionne. Donc, à partir de ce moment, séance qui n'a pas le fait là, bon, comme il était lancé, nous, pour nous-mêmes, il n'est pas intéressé, nous, parce que même si on était foncé, en se littérait, on était ballon, motion de censure, il a démissionné quand même parce que cet accord, nous l'avions eu, et le Premier ministre lui-même, lui, peut-être pas de volonté dans un premier temps, même parce que ça le fera, il n'est pas vraiment comme c'est intéressé, nous, parce que pour nous autres, au niveau du Sénat, pas aucun moyen de l'autorité. La dernière fois que nous parlons, tu m'as dit si ça t'arrive avec l'autorité, nous prenons l'opposition à nous ça. Oui, c'était ça exactement. Donc, le président a un choix pour
quitter que le perdu des alliés qu'il y a dans la chambre là, au niveau du Sénat véritablement. Donc je dis clairement parce que je m'en disais à dire que s'il va démissionner, ça t'est vraiment étonné parce que dans tout pays, l'autre majorité qui est solidaire au gouvernement, ça fait formellement ou pas fait interpellation directement. C'est vous-même qui majorité qui soutenez, ou dit ou de solidariser avec lui, et les alliés, il n'y a pas besoin de répondre ni démissionner. Donc par conséquent, s'il n'y a pas de fait, je crois que là, par une situation extrêmement difficile pour le continuer à exercer fonction de premier ministre. Enfin, mais là maintenant, nous ne pas la pour émission, nous ne sommes pas la président. Oui, nous n'avons pas eu le premier ministre avant la lancer à ce temps. Finalement, bon, nous n'avons pas eu lui, nous n'avons pas ensemble avec lui, mais nous pensons que le président a supposé le message d'acclairement, puisque nous n'avons pas parlé ensemble avec lui. Et sous flou qui était gagné sur le fait que est-ce que la praler ou pas praler, nous n'avons pas connu. Bon, il était choisi d'aller au niveau de la Chambre des députés. Nous avons campé devant la télévision, nous avons regardé comment ça a passé. Nous n'avons pas eu de ça, mais c'est la tête de Pichet-Hubert qui s'est quand même dans notre majorité, je pense qu'il dit d'ailleurs, il te dit que tu es prêt à te dégager, c'est une raison que tu fais lui-même, tu fais sortir pour conclure. Ça t'est passé. Est-ce que la réalité a votre comité d'accord sur position à adopter après le si ça c'est le juré, sénateur Augustin? Bon, faut que moi dire, moi-même, personnellement, j'étais aux États-Unis pendant l'événement et même tu es sorti en note pendant aux États-Unis. Donc, l'homme rentre rapidement, moi, j'ai un collègue qui a initié une procédure. Mais puis, il n'y a vraiment pas de fonctionner dans le moment ça. Donc, ce qui fait que finalement, si lui-même était estimé qu'il faut qu'on bagaille qui vous dit, un bagaille qui vous fait de côté du Sénat, et d'ailleurs, il n'était pas le seul, il y a un sénateur Fetia tout, lui-même qui était à le signer dans l'autre là, moi-même. C'est pas le tiré non? Oui, le tiré non, parce que justement, la majorité a dit, nous pas qu'à supporter un gouvernement dans la majorité, parce que dans la radio, là-bas, le temps de nous signer un autre. Donc, que nous habitués, c'est-à-dire que y a notre collègue qui passe certainement de majorité à quitter commencer le processus là, nous avons dit que nous-mêmes nous fait. Parce qu'il faut que nous gardions courage pour nous camper devant le président, pour nous dire que nous parlons au premier ministre encore. Et nous pensons que ce n'est pas mauvais bon côté sénateur Diopi, parce que l'homme parle ensemble avec eux, t'es grand pile collègue qui voulait faire. C'était une simple question de forme qui permet que lui-même était en train de commencer, fait-il lui-même nous retirer nous parce que nous avons fait notre date pour l'autre sénateur qui était retiré nous, mais c'est pratiquement la même chose parce que les deux groupes demander la démission du premier ministre, sauf que sur le plan de la forme, nous estimons que en tant que monde qui a supporté le président, nous habitués à parler ensemble avec lui, nous avons raison pour nous pas capable de courage pour nous dire ça nous penser dans ces circonstances là. Le sénateur de la cour, sénateur statut, c'est pas trop comprendre de machin avec nos étudiants, non, hein? Car il y a une intervention de faire son ça, son seul, même parler de combat, parlementaire, de prix, c'est peut-être ça que tu as gardé. Gardez, sénateur, sénatrice a fait des déclarations, c'est un parlementaire que lié. Sénateur, sénatrice, et ça fait que après, nous avons dit la réalité dans la radio. Dès le sénateur Patrice Dumont, et puis je me dis, je ne peux pas comprendre ce qui passe là, parce que nous avons chita sur le leadership président Lambert clairement. Nous dit que c'est même bagarre là, mais cependant, mais pour quelle raison que nous-mêmes ne pas qu'à signer ensemble avec eux, nous faisons affaire par nous. Et à partir de ce moment, le sénateur Dumont te comprend du point de vue logique, si nous ne habitons pas là, nous ne pouvons pas qu'à dire ça. Ce qu'il avait compris. Donc, il était question même que l'étape tente que nous venons dire qui s'est sorti dans la réunion avec le président. Et à partir de ce moment, l'ISSA était déjà réduit à 6 membres. Ouais. Et parmi lesquels, ce que m'a confié Patrice, sénateur Patrice Dumont, sénateur, c'était retiré. Non. Ah non? Oui, c'est ça. Bon, sénateur Dumont a dit ça. Il était retiré non, finalement. Dans l'islam, même dans l'autre monde, il était retiré non. Donc, finalement, moi, j'ai besoin de répondre ça. Donc, si nous venons de retiré non, et pas carré, le disait pas vrai, nous avons référence, Patrice Dumont dit. Donc, nous avons comprendre véritablement. Donc, même moi, pensez au contraire, je suis supposé continuer ça au tap faire pour voir que c'est l'ensemble du Sénat, c'est pas seulement majorité. Parce que le Sénat, c'est pas seulement des mondes qui composent la majorité alliée, des mondes qui sentent, des mondes qui. Donc, pas d'aucun problème que chaque fait notre part au sorti. Mais il te retire véritablement. Autrement dit, que pour le défaire, il faut qu'il te signe ensemble avec la majorité. Donc, même ben, c'est que c'est pas juste accusation sur le Sénat qui gagne pour eux. Bon, moi-même. Sur cela, tu es crédible. Oui. Moi-même, moi, par contre, et je ne vais pas répondre à une question ça. Je ne vais pas dire tout simplement, sénateur, que nous avons une période extrêmement fragile, côté que l'institution parlementaire en elle-même, presque à travers le monde, est très discréditée, et la population a prometté la question. Et en Haïti, il est pire encore, parce que la violence qui était faite, yo, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous faisons contre monter pour gaz, il y a un monde tout qui profite de mon petit doux. Mais autant de, généralement, je regarde le parlementaire.
Je ne parle pas des parlementaires parce que quoi que les parlementaires aient des comportements qui ne sont pas utiles à la population, véritablement. Donc je dis à moi penser que on est institutionnel, pas que nous-mêmes, nous ne parlons pas de parlement, son beau parlement, pas de bagaille qui passe. Il faut que nous fassions effort pour nous protéger l'institution, pour que chaque monde agisse pour faire qui sort à deux faits. Par exemple, je dis à moi-même, je dis président ça, et je crois que je parle clair avec collègues sénateurs, et ça, son position personnelle. Et ce n'est pas demander démission pour le ministre seulement qui parle important, parce que nous donnons l'autre son dans la rue à tout. Nous avons besoin d'un changement d'attitude, ce qui sont subversion. Moi-même, personnellement, je vais parler avec collègues. Et si collègues majorité n'est pas d'accord, côté nous quelques collègues, on est d'accord, on n'a pas le faire, question de la subvention pour retirer. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons plus de problèmes, et en plus de l'autre sénateur. Donc, moi-même, pensez que. Nous avons fait comme vous, là. Moi-même, je crois que. Ce n'est pas position majorité, mais c'est position de quelqu'un, et ça a fait me désolidariser, parce que sous le transat, on va aller jusqu'au bout. Ah bon? Oui, on va aller jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas possible que des mondes honnêtes, parce qu'on entre dans ça avec quoi à chaque instant. Or, moi-même, personnellement, j'ai plus de problèmes, on dépense plus que l'autre. Donc, il n'est pas possible de donner une explication à chaque instant où tu fais ça, où tu fais ça, quelle que soit la formule utilisée, pas bon. Mais en même temps, toute population, tout croit qu'on gagne l'argent et que depuis au moins, c'est Jésus-Christ qui a tout problème qui résout. Donc, moi, je crois que le signal, ça, il faut que les collègues gagnent, et on n'a pas dit assez de courage, puis reconnaître qu'il faut que prendre des décisions qui sont capables de préjudice à l'intérêt mesquin par eux, véritablement, parce que le Parlement, c'est fait, toi, loi. Contrôler l'action du gouvernement. Mais en fait, pour nous, même si 7 juillet est arrivé, c'est parce que le gouvernement était failli, puisque nous demandons des démissions pour le ministre. Donc, vous-même, c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui passe là? La grande responsabilité, c'est le gouvernement, parce que cette question. Un premier bagage, mesure, nous avons trouvé une mesure inopportune, dans ces circonstances-là. Dans le moment, après, le Brésil vient de perdre Joffre, qui vient de paraître, tant qu'on son mesure, ou qu'on est injuste. Et pour profiter en circonstances pour faire. C'est ça, ben, ça ben, comme psychologique. Deuxièmement, la mesure était injuste, effectivement. Il était injuste parce que dans des mondes de salariés, mais le groupe bio vient de prendre son paquet de camionnettes, nous étions trop tête. Donc, comment on est capable de faire représenter la population? Je dis exécutif là, ça, un sénateur qui respecte les têtes, il est toujours pour la position de la population. Donc, pas une question pour dire qu'on a acquis dans le champ, on a fait sauver. D'ailleurs, l'homme dit que il n'y a pas de consulter. Nous, c'est parce que certainement, si on était consulté, nous, parce que il y a plus de crétinisme là-dedans. Pas de gestion de communication. Qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Donc, l'homme prend par exemple, ou prend FMI, depuis quelques temps, derrière ça, qui dit l'État haïtien pour continuer un ensemble de coopération, aider, il faut que l'État haïtien passe subventionné le gaz là. Donc, ça, on dit là, on dit, il faut que lui monte le gaz là. Donc, même d'abord du président pas calé sur les dames qui va coûter FMI cap 12 ans parce que pour la toile fonctionner là en pile international pas porter support c'est que doit kembe mais pas que c'est une mesure impopulaire ça que ta cap conseil au fait mais pas bon monde exécutif ça qui t'est communiqué pour diminuer qui ça gouvernement de pas donc mon cas gagné quand même oui pas quand c'est l'argent que tu dois rentrer qui pas arriver rentrer tout à fait mais cependant moi même c'est pas parce que gaz là pas monter sur marché international mon garder ça mais cependant il y a des considérations techniques qui sont obligées de faire camper pour des considérations politiques à des moments bien précis. Dans les circonstances que nous avons là, moi je pense que l'exécutif a été supposé faire communication pour expliquer à la population mes situations finances publiques, l'État. Si nous ne montons pas, nous sommes à la pied. Là, ça a été une discussion sur qui va aller nous monter, qui peut nous capable de monter pour nous garder comment nous capable de ne pas créer de dommages pour la population. Ceci n'a pas été fait, c'est au petit bonheur. Un matin, nous avons vu après le match Brésil, nous avons déjà perdu le Brésil, déjà perdu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde n'est pas intéressée, nous mettre ça sur. Donc, même moi, je pense que tu as pris le crétinisme et là, tu es dans la sécurité. Et le premier monde qui est responsable comme CSPN, c'est le premier ministre. Et moi-même, l'homme voulait sanctionner. Et c'est pas le président, c'est pas le directeur général de la police là. Même si je suis capable de dire que je ne suis pas innocent, tout, parce que le premier ministre là pour coller, c'est le premier ministre. Par conséquent, nous faisons ça. Tradition républicaine, sa démocratie mandée. La police, parce que après nous avons remarqué passivité à Jean-PRH dans tout ça qui a passé, surtout le samedi matin. Oui, en pile passivité, parce que eux-mêmes disent tout que tu as en pile frustration de côté policier, soit ajustement de salaire par rapport à la promotion que vous prenez en grade. Tout ceci fait que vous ne pas senti comporté, vous avez une certaine passivité, effectivement.
Alors ce que l'information, c'est que au niveau de l'exécutif, je vais prendre toutes mesures pour permettre que l'ajustement ça arrive effectif pour résoudre. Donc autrement dit, autant d'informations qui participent dans le moment, c'est un gros déficit de communication de la part du gouvernement qui véritablement pas comprendre que certaines fois et la politique qui est techniquement en état certaines fois. Donc même quand, que pour toutes raisons, il faut que tu aies des gens qui payent. Et quand j'ai suivi les interventions de temps en temps du Premier ministre, on comprend que faut que tu aies un dégel qui fait et que le Premier ministre, il faut que la majorité a été confiance là-dedans pour permettre que le pays ait un autre Premier ministre qui, cette fois-ci, parle plus responsable, capable d'exercer plus de leadership également au niveau de Samda, capable de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Voilà les soucis à samedi, hein, question Moutounavel, comment tu comprends ça? Et moi, tu es étonné, moi, tu es réfléchi, moi, dit bon. Bon, comme nous-mêmes nous prenons position, nous disons, bon, si chambre député à tabal en vote de confiance, et j'aime de dire là, il n'y a pas de problème parce que nous ne pouvons pas recevoir le gouvernement ça du tout. Nous avons dit que nous n'avons pas attendre que c'est comme ça qu'il n'y a pas le faire. Effectivement, il dit que quitter démission, il veut mettre président en démission déjà. Et ça crée un pile débat. Oui, vous dites à qui si tu as avant d'entrer dans le débat technique, validité, comme si nous capable de technique, ça qu'a fait là, qui était une petite considération politique. Parce que, en fait, débat, c'est un débat technique vrai. Son apparence de débat technique qu'il a, même si tu as fait appel à la loi, s'il était bon, s'il n'est pas bon, dans son couverture, pour serrer ça qu'a fait là. En plus, le monde qui a été dans le débat, ça, c'est pas une préoccupation technique, respect de la loi, véritablement. Ça lié. C'est tout simplement, je pense que quelque part, il faut que créer une stabilité, il n'est pas capable d'accepter une situation, une solution, il faut que quelqu'un ne va pas gagner. Et ça. Mais si on a fait fi de procédure, on a fait politique. Même pas fait fi de procédure, donc, moi, je dis que débat, c'est pas ça lié véritablement. Il faut qu'on continue à gagner la PKB pour chauffer la rue véritablement. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est pour nous capable de premier ministre qui est très décrit ensemble avec le gouvernement, il y a des gens qui sont en opposition qui sont bien contents que là, pour permettre que les gens aient pour faire manifestation, de pouvoir le craser, briser, pour faire même qualité bagarre là. Et c'est ça qui fait qu'on est intéressé et pour aller. Ou c'est des gens qui disent, ce n'est pas le Premier ministre qui peut aller, c'est tout qui peut aller, c'est le président aller, tout. Donc par conséquent, si ça a ses solutions, il n'est pas bon pour eux. Donc sous régularité technique là, moi je regrette que c'est comme ça le fait, parce que nous sommes dans un flou juridique. Et là, c'est technicien qui a parlé. Nous sommes dans un flou juridique, mais ça, mon audio, ce n'est pas vrai techniquement. Même c'est comme ça que je fais analyse BAM. Nous avons un flou juridique, mais je dis que je regrette que c'est comme ça lié. Mais cette situation, ça pour résoudre, c'est encore le Parlement. C'est mensonge ça. L'homme des sénateurs, après la radio, à parler en pile, des députés, des gens qui ont un mandat, deux mandats, trois mandats, qui n'ont pas de capacité pour poser problème institutionnel au pays, pour proposer une loi qui est capable de permettre de combler le flou ça. Et puis je dis à vous, c'est même qu'à faire nuit, qu'à prendre avantage de flou, ça, qui gagne encore, il est insensé. Il faut que la soit comme ça. Des gens qui étaient dans le Parlement, qui fait combien de temps comme parlementaire, qui n'ont pas de capacité pour analyser flou, pour proposer une loi qui permet de régulariser pour ça, pas arriver. Et puis je dis à vous, c'est même qu'à faire nuit encore, sans avoir une solution posée, parce que la solution, c'est une loi qui peut faire bon vide. Pour ça, parce que, vu là qui niveau, c'est bon vide parce que là, le premier ministre n'a pas gagné dans le Parlement, c'est le démissionner, c'est faux. Comment? C'est faux parce que, regardez, le président, d'après, il n'est pas ex-premier ministre, il est premier ministre démissionnaire. D'après la Constitution, ce n'est pas la volonté de parler, il doit rester en fonction. Vous ne dites pas de caractère parce que le comité qui est démissionnaire, oui, parce que son cette interpellation. Oui, justement, le comité qui est démissionnaire. Oui. Voilà, voilà. Peut-être l'interpellation. Comme interpellation ne finit pas en vote. Mm-hmm. C'est là qui vient causer problème. Mais l'argumentation comme s'il n'est pas premier ministre, c'est pas ça. Il reste premier ministre en fonction, mais je mets dans l'interpellation. Hein, et comme il fait déclaration hein, formellement, dans ce sens, ça vient au lieu d'une formalité administrative, donc qu'il n'est pas capable d'écrire. Même quand il était supposé être financé une fois qu'il démissionnait. Mais ce que le président a arrivé de faire. Eh bien, il l'a fait, mais c'est correct. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit balade la patrie là, si avant ce sens, notre démission était bail, il était rendu public, balade la patrie là du tout. Oui, c'était souhaitable. C'était souhaitable. Ça a montré qu'on a une compréhension fonctionnement démocratie que ensemble de gouvernements pays à gagner, nous venons dans l'exécutif, nous venons dans le Parlement, nous venons dans la justice là, nous venons dans la société là, nous venons dans le parti politique. Donc moi-même, pas pour faire ça à tout un gros débat extraordinaire. Oui, au niveau de la forme, ils ont péché et à continuer de pécher toujours.
Parce que jusqu'à ce que nous atteignions un degré de maturité démocratique qui permette que nous ayons des hommes d'État qui connaissent l'État, qui connaissent comment la démocratie fonctionne. Parce que même des députés qui ont bloc majoritaire qui font des tweets après, qui disent que c'est au contraire que l'émission soit avancée à ça. Bon, je dois vous dire également, avec le président bloc majorité, chambre des députés, je parle avec eux, je ne parle avec le président. Je parle avec eux. C'est un groupe parti qui voulait continuer à supporter et peut-être que le président est venu aviser le tout avec le support président. Donc, parce que le pose là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il a discuté. Mais moi, je ne suis pas tellement focus sur ça parce que, quelle que soit la liste du vote, au niveau du Sénat, c'est pas arrêté. Clair. Il faut qu'il démissionne. Et je ne crois pas que le président ait pris un risque que ne pas pas respecter ça que nous te dire. Parfait. Là maintenant, c'est clair, et Jean-Guy Lafontaine, le démissionnaire, est-ce que les consultations ont commencé au niveau bloc majoritaire, qui ça nous croit que tu as de fait comme prochaine étape, qui ça t'a donné depuis le sénateur Augustin? Président, pourquoi consulter le bloc majoritaire? Moi-même, tout, je n'ai pas habilité formellement pour me répondre, pour me dire que qui ça a fait pour le remplacement du Premier ministre et pour la formation de nouveau gouvernement. La seule chose que je peux dire d'un certain point de vue personnel, le plus que possible qu'au niveau du Sénat, les parlementaires sont capables d'être à l'écart de la formation de ce gouvernement, nous sont capables d'entrer, parce que je dis, moi, que chaque collègue, chaque de nous comprendre que nous sommes au carrefour. C'est une expérience que nous avons fait longtemps, une tradition qui n'a pas été fuite pour le pays. Et que je dis, on a l'impression que la population est venue dans une situation, n'est pas qu'à comprendre ni théoriquement, mais du point de vue concret, du bon ensemble de bagailles que l'a dit et l'idiot de manière pas toujours démocratique que l'a dit. Je dis à moi, c'est que les sénateurs et les députés qui sont en fonction actuellement, ils ont une mission de capable d'historique. Ils ont une mission pour comprendre, je dis à que la population veut un changement dans la façon que nous exerçons l'État et que si eux-mêmes ne permettent pas, ils compromettent l'avenir institution parlementaire en lui-même. Donc, moi, je pense que de cet point de vue personnel, ce n'est pas la position de la majorité et il faut que le président ait l'attitude pour choisir le Premier ministre. Peut-être que nous avons majoré le contrôle régularité ça et que à un certain niveau, peut-être nous devons dire tel profil nous. Mais bon, je viens de dire ça, il n'y a pas qu'à parler comme quoi de mon dans le Sénat qui t'a intéressé, qui t'a le Premier ministre. Bon, vous avez ça à tout, monsieur. Beaucoup qu'on aime, par contre, c'est au niveau du bloc majorité. Moi, je suis venu demander pour me Premier ministre, je me suis dit, monsieur, ça pas intéressé. Mais je sais que de même, c'est là qu'à parler, qu'à circuler pendant tout le week-end, là, vraiment, qu'à intéressé, vous avez là. Et bon, un sénateur, tu as vu le Premier ministre, ma prévu d'oual, parce que ça fait déjà à côté que nous avons un monde qui était Sénat pour aller dans le gouvernement. Mais dans une position personnelle, PAM, moi, je dis que ce n'est pas un bon bagage lié pour la démocratie que nous avons construit. Parce que pour que ça, le peuple a toujours l'impression qu'un sénateur, un député, c'est un monde qui vient faire comme. Je pense que nous ne pas l'interpréter, la faire comme là, nous n'est pas à l'aise, là, le pipe comme là, nous sommes dans l'exécutif. Nous avons bien plus. Et on va prendre compte que nous n'est pas tellement ça normal. C'est vrai que dans le passé, nous avons Yvon Neptune, qui était sénateur, qui vient député, nous avons ministre, qui était Yannick. Yannick François qui fait ça. Mais moi-même, je tape à penser collègue. Parce que pour moi-même, à l'élection, pour un mandat, je voulais dire que Gomba Gao te voulait faire pour zone contre social ou bien pour pays. Donc, il n'y a aucune raison qui fait que vous pensez que c'est le Premier ministre qui est capable de faire, parce qu'on parle libre véritablement. Mais c'est une loi légitime que un sénateur, un député gagne, il est capable de faire la même chose avec nous, il estime que c'est là qu'il est capable de servir au niveau de l'équipe. Mais, bon côté, PAM, c'est pas de bagarre, j'entends, pendant que les sénateurs de la République m'ont défendu le département qui puisse mépriser pour me quitter pour me prendre poste ministériel ou bien Premier ministre. Parfait. Mais moi, je vous fais là, une information dans mon partage avec vous. Après, c'est un ce fait samedi. Qui t'a l'attitude, bureau, chambre député. Je veux dire là, pour tout ça qu'a dit, sous Jean-Séance fini, sous ça que t'es fait en Jean-Séance, sous Jean de mission en bail là. Qui t'a l'attitude pour bureau, chambre député. Je veux dire, bureau, chambre député. Moi, souhaité que chambre député a été pris acte et que c'est sa présidente dit, les consignes formellement. Qui vient de ballon valeur de capable dit authentique et qui fait que vous reconnaître que je dis on a affaire à un premier ministre démissionnaire. Okay. Là, nous on a flou juridique, m'a dit là. Pour qui ça me dit, il t'a supposé dire. Au contraire, logiquement, le premier ministre, même s'il a expédié les affaires courantes, il t'a supposé des possibilités puis il y a ballon. Débat, si c'est un débat intellectuel, c'est comme ça que tu as parlé. Est-ce que le pays a intérêt
Que nous devons nous expédier les affaires courantes, j'en ai eu qu'on fait indéfiniment, nous sommes Alexis comme étant défait, et que la signe chèque, la prend des mesures, et que par aucun monde qui n'a aucun contrôle sur lui. C'est à ça le débat. Si nous posons le conseil, après que par exemple, nous n'avons pas dit que c'est pas ça, je dis, parce que le besoin de débat continue pour le commander table rase. Si le Premier ministre fait des demandes, on va peut-être même parlementaire sur la radio, non, il doit faire ça. Bon, on n'a pas dit ça plus devant. Donc je dis, mais il y a un flou. Est-ce que pas bon pour tout à légiférer, même j'en sur question immunité, j'en définis clairement. Il pas bon pour nous t'a défini un régime qui mettait, qui limite pouvoir au monde lorsque la expédie des affaires courantes. Ça va tellement être fait un bouton le soubaï, ça avec des effectivement. T'as un travail pour que vous dites, mettons ton temps soubaï, ça. Voilà. Et pour qui côté vous n'êtes arrivé. Ah, faut que vous mettez ton temps sur lui, faut que vous réglementez. Même parce que, et me féliciter, sénateur Benoît, le parlementaire moderne, nous qui vraiment comprendre fonction et qu'à travailler la population, c'est ça pour le faire. C'est pas monter dans la radio comme si a fait bruit, a cherché à attirer la population et puis peuple là parce qu'il pas connaît, parce qu'il a fait bruit, il pense que son bon gars, alors que le monde qui t'a supposé faire loi, c'est lui. Quand bah, tout sénateur n'a pas été fait samedi, il dit le PM a annoncé aux honorables députés qu'il a remis sa démission au président de la République. Cette déclaration n'a aucune valeur légale. Le Parlement ne peut en prendre acte tant que le président de la République n'en apporte la confirmation. Bon, ça c'est. Président du Sénat. Ça, c'est en vue, nous capable de regarder du droit constitutionnel, en déclaration solennelle, non sens, niveau, un acte administratif formel. Okay. Et si, par exemple, la tradition que nous avons, la pratique parlementaire que nous avons, vous attaché à la pratique là toujours, je crois que le Premier ministre doit adresser une correspondance au Sénat, au président du Sénat et au président de la Chambre des députés pour leur dire qu'il est présentement Premier ministre démissionnaire. Est-ce que vous parlez de ce moment-là, la démission seulement, ça va suffire? La démission, la démission de la président, ça suffit, non? Ou bien vous faites l'être encore vous dire. On pense que son lettre l'état de fait, ou bien ils font copie conforme. Voilà. Ils font copie conforme, ils copient les chambres députées, les copier le Sénat, voilà qu'il a remis sa démission. Ça, c'est la forme. Si le président Lambert qui voulait un peu de formalité, il va être mauvais dans la mesure où je dis, nous avons inséré tradition que pour nous, c'est comme ça pour le faire, c'est pas président seulement pour le faire, pour que ça arrive encore. Parce qu'en fait, le premier ministre qui a une majorité qui a supporté le Sénat au décembre, c'est une humiliation. Nous-mêmes, ça fait que nous-mêmes, l'initiative, c'est pas que pour nous courir pour le ministre, ni pour nous humilier, mais il faut qu'on ait un courage pour nous dire que nous ne pouvons pas aller encore. Et à partir de ce moment, si le pacte de ça nous dit là, il n'est pas de faire, qu'on a été capable d'utiliser la manière forte. Pour c'est pour ça que ça fait dans toute démocratie. Pourquoi le ministre dit qu'il a tiré attention, il dit que voilà, il va prendre toute responsabilité. Et ça passe, ça c'est dur. Mais en plus de fois, tout, on ne peut pas garder une loi qui peut-être régler la question pour le fonctionnement de la police. Là. Et même si tu es dans des anciens ministres obligés de prendre prison. Et parce que peut-être tu ne peux pas comprendre que, en plus de fois, c'est vrai que c'est au président CSPN, mais est-ce qu'on a une possibilité pour dire la police a fait ça ou pas fait ça? Là, la tire attention au nouveau parlementaire. Tout à fait. C'est vrai que nous sommes capables de légiférer, mais cependant, c'est en circonstance de capable de fait qui fait que c'est ça que nous gagnons. Nous gagnons un directeur général de la police qui était monté en remplacement ou l'autre qui était en fonction. Et sur M. Privert, qui fait pouvoir qu'on crée par rapport à lui-même pendant un certain nombre de temps. Et même on a obligé tout pour que c'est directeur général de la police. Et tant qu'on a la deux, il y a habilité pour faire deux autres parce que c'est mon pao qui l'a donné. Et c'est ça le problème. Donc c'est qu'à un certain niveau, son problème d'homme, son problème d'homme d'État, pour que nous connaissons que peu importe que c'est Privert qui te mette, de garantir la sécurité des vieux et des biens et que l'exécutif là-bas côté parle tout, il connaît tout, peu importe que ce n'est pas lui qui te mette, il vient pour collaborer avec lui pour permettre que ce n'est pas monde qui a parlé dans la manifestation, ce n'est pas magasin qui a brûlé, parce que je dis, il faut que nous disions que, avec la pire tristesse que la population a payé ça, et n'y pas prendre ni compte que la paye, parce que moi, je me dis que tu as monté pour eux, nous prenons des canaux, nous presque vidés. Inflation en parle grandit plus aide. Donc ça veut dire que je dis, normalement pendant l'école pas ouvert encore. Donc moi je pense que de des bagages qui passaient, l'homme d'État, c'est à eux penser d'abord, au lieu que vous pensez pour faire clan politique pour plaisir véritablement. Donc moi je pense que je dis, dans l'une des séances qui était faite dans le Sénat, parce que position que je prends par rapport à la première ministre, c'est pour position comme si je venais pour un conseil. D'ailleurs, j'ai dit ça au Premier ministre, il était dans l'hélicoptère ensemble avec moi, il me dit PM, je ne vais pas capoter encore, j'ai l'impression que je ne vais pas obligé de changer. Je lui ai dit ça.
bien longtemps. Et ensuite, dans au moins 2 à 3 séances qui fait CSPN dans le Parlement, pendant que le sénateur a posé le problème, ça qui est passé, tu vois, le problème qui était passé dans le pays à tout, le directeur général de la police là, moi-même, je dit que tout ça l'a fait là, c'est de la fouine. Le problème là, c'est que nous avons le directeur général de la police qui était nommé par le gouvernement privé, qui était fait tout ça possible pour Jovenel Moïse, pas de président, parce qu'il dit Jovenel, pas de président, et que je dis à président, je dis à l'exécutif, il n'y a pas de confiance là-dedans, il y a un problème de communication entre eux. Je ne peux l'autre. On a dit que, quel que soit ça, nous dit la libre résolue, que parlement dans le cadre de la collaboration des pouvoirs, pour nous également par Montesquieu, au-delà de la séparation des pouvoirs, pour une initiative, pour franchir à parler entre gouvernement avec PM, pour que nous disions que nous sommes capables de parler, pour permettre que nous sommes capables de prendre des décisions concertées pour la choix. Malheureusement, ça pourquoi j'aime fait, parce que parler dit, by sanction, by monde qui t'a dit sur sanction, tout c'est de la frime. C'est qu'au niveau du leadership, sécurité du pays, côté que PM, effectivement, il c'est président CSPN, c'est pas lui-même qui a dirigé tout pio véritablement. Même si vous n'avez pas dirigé, en tant que premier ministre, vous êtes supposé avoir suffisamment d'autorité pour te parler avec le directeur général de la police. Ça veut dire que son malaise qui gagne. Et c'est malaise qui est mieux résoudre, qui ne peut pas résoudre, malgré notre première initiative, ça, nous des sénateurs, on nous permet de faire chita parler. Ça veut dire qu'à tout changer le ministère, il va laisser à tout changer. Si le problème n'a pas résolu. Si le problème n'a pas résolu, ça a toujours arrivé. Je pense que, ou bien, fait que vous posez une question ça, pour nation, on connaît que, nous pas qu'à faire oui, mon cap veut monter pour faire visibilité plus haut. Il faut que nous ayons des hommes d'État qui ont assez de lucidité pour capable poser le mieux côté. Sans ça, nous cherchons un bagage que nous n'avons pas besoin. Je dis à problème, ça, je dis là, mais est-ce que lui était toujours pendant? Parce que ce malaise réel qui existe et que tout le monde ne doit pas trouver, mais ce n'est pas menti. Parce que nous... Si ça, c'est du réel en tout cas. Ah oui, c'est ça, c'est du réel au final. Et tu es un bagage tchot encore. Tu es un bagage tchot, nous croyons que à chaque instant, le directeur général de la police a tout dit, je n'ai pas été informé. Ouais. Donc c'est un problème de communication. Qui cause dit, c'est parce que justement, nous avons des gens qui sont dans l'État, qui comprennent que l'État sont un bagage de querelle de chapelle que lié. Il n'y a pas une dimension homme d'État. Il n'y a pas sécurité de nos pays, c'est priorité. C'est priorité parce que je dis, nous ne sommes pas capables d'évaluer la quantité de corps que le pays a perdu à partir de cette partie. C'est avec vraiment un peu de consternation, le passé de l'homme de là. Je regarde des maisons qui gagnent, puis les machines qui brûlent, des bagages qui vendent cher, on va changer l'argent encore, qu'on a de l'Amérique, on parle plus. Non seulement on va utiliser plus l'argent pour commander sous les maisons recommandées, mais en même temps, on perd toute devise qui t'a venu en tout parce qu'un pile hôtel est vidé. Donc, et si nous sommes que nous sommes dans un hôtel, nous sommes du feu, son signe qui a fait passer 2 ans, nous ne pas venir en pays encore comme touriste. Donc, on me pense que lorsqu'un homme d'État qui a une capacité pour. Ouais, qui impact de tels actes capables de produire, il faut qu'on mette en dimension parce que, et c'est ça qui fait que moi-même au niveau du Sénat de la République, je crois que les sénateurs ont un rôle à jouer. Ce n'est pas un rôle comme si on supportait le gouvernement indéfiniment, nous l'avions démontré, même comme président de la majorité, ouais. Mais je crois que vous mettez que pour ratifier l'accord minier juste dans le Parlement, vous avez demandé ça. Vous avez l'opposition, vous campez en quoi, et puis vous boudez à l'Assemblée nationale qui était convoquée par le président Parlement. Et Dieu seul sait, me protéger pays, il ne va pas comprendre. Parce que sur le plan diplomatique, je pense que c'est extrêmement important. Sur le plan diplomatique, comme ça, ça veut dire, l'on attaque les Nations Unies directement, pendant à parler. Il n'y a pas pensé que c'est qu'on n'a pas qu'on est, comment doit l'international fonctionner. Il a pensé que c'est quoi qu'on a fait. Parce que il n'y a pas qu'un gouvernement, tout un pays, tu as comprendre que, on résolution du Conseil de sécurité, il faut qu'il soit ratifié par l'Assemblée nationale, un bagage qui est relevé du droit international humanitaire, qui n'est pas relevé du droit international public, qui ne s'est pas encore. Donc à partir de ce moment, Sergino, il y a un grand problème, et je crois que faut que les gens ont un minimum de compréhension, de connaissance, et faut que le peuple accepte tout, que le temps à vie technique. Parce que sous fait là, les Nations Unies comprennent que c'est l'exécutif qui dispose d'une majorité au niveau du Sénat, qui besoin de dire pas voulu fonctionner ensemble avec, qui capitalise, qui manipule la majorité ça, pour faire un bagage qui est illégal et constitutionnel, on rend tout pour les Nations Unies au regard du droit international humanitaire. Donc à partir de ce moment, le peuple n'a pas pour ça. Mais il faut que nous mettions les sénateurs qui ont capacité pour ça. Ce n'est pas comme si elle fait du monter dans la radio, à parler d'un discours facile.
permettre que la population vienne jouer nous, mais espoir qu'on puisse prendre pouvoir pour continuer quoi la même chose. Parfait. Mais tu as parlé tout à l'heure de profil là, et pour même je dis à sénateur Augustin, même qui va aller pour le ministre là, soit mon guide à l'idée de président, mon guide à l'idée de la société civile, secteur privé ou bien dans le parti politique. Moi-même, je pense que le président. Une des bagages que je constate, je ne pas voulu tomber dans ça, je connais qui n'est pas bon. En tant que juriste, je suis dans un régime démocratique. La démocratie a dit que le président a une bonne vision, une bonne idée là dans l'élection. Selon le régime que le pays a adopté, il mettait des tempéraments à principe ça. C'est-à-dire que, en plus, le président n'a pas qu'à exercer vraiment vrai pour qui ça, parce que, selon le régime, ce n'est pas lui qui a choisi pour le ministre. Par exemple, dans le cas, non. Parlement obligé là-dedans. Moi, je pense que tout autant que nous ne résoudre le problème que un président, son monde qui a fait tout le bagaille, comme si tout le monde mettait dans le pied, le gouvernement doit bien réussir. Je dis, le débat qu'a fait là, son faux débat. C'est comme Dara Abdou, sous un premier ministre, nous venons qui dans la politique là, qui dans l'opposition, qui tellement aime le pays, il y a tellement de monde sage. Il n'y a plus de bon Dieu pour un président en fonction de premier ministre. Pour ne pas faire erreur même. Pour tout ça, faire ces bons bagailles. Mais si il ne pas faire erreur, comment faire pour pouvoir lui-même? Vous prenez son faux débat. Ou bien, ah, nous parlons 3 mois, s'il fait erreur, nous voulons aller. Non, pas qu'un ça. S'il fait erreur, eh bien, exploitez au niveau médiatique pour que la prochaine élection, vous votez. Donc, je dis à moi, je pense que la meilleure façon pour responsabiliser un président, pour dire que c'est régime ça, c'est peut-être qu'il n'y a pas de bon, c'est pas les possibilités pour le former gouvernement. Il faut le gouvernement, il n'est pas bon, pas capable de dire. Je dis, dans des présidents privés, il dit ça, dans des présidents matériels, il dit ça. À chaque instant, il dit que ce n'est pas celle qui est dans le gouvernement, nous basons l'opposition, on fait là-dedans, tout le monde là-dedans. Ça veut dire que je dis, soit dit que tel régime échoué, ou presque pas qu'à dire que le régime qui échoué. Parce que c'est tout le monde, même le monde qui a bataillé, et même le monde qui a cap dit l'échoué. Pour aller dans le gouvernement, tout ça, le gouvernement fait bon. Mais la société polarisée, tant que ça n'est là, est-ce qu'on a fait un gouvernement, tous sont pas tenus compte de notre entité, de notre secteur dans le pays? Moi-même, je pense que c'est un problème président en pile fois. Moi-même, je ne crois pas que PHTK, comme jeune parti politique, est capable de dire, je dis, ni pour col, il est capable de former un gouvernement parce que mon expérience politique, mon expertise, tout, que un président supposé ouvert pour aller chercher l'autre côté, tout, politiquement, je dis, parce que, pas oublier que tu as l'air, je dis, il y a des fois, considération politique là, de passer à la technique là. Et je crois que même, je me suis dit, il a appliqué là, effectivement. Il faut que le président tienne compte de la réalité politique là, parce que ce que je suis en train de décrire pour dire qu'il n'est pas bon, mais malheureusement, c'est notre réalité. Il ne doit pas bon, mais c'est notre réalité. Il est obligé, effectivement, je dis, et penser à lui-même. Mais il faut que le monde qui dit que ce n'est pas ça qui a porté le résultat. Parce que nous avons vu ces résultats déjà. Le gouvernement de transition, vous voulez aller, de toi, n'est-ce pas riche. Et puis, that's it. Et puis, tout n'est quitté là, même si le gouvernement fait bagarre, il n'est pas critiqué. Et ensuite, également, le gouvernement de consensus, vous avez perdu une série de bons mondes qui étaient capables de critiquer le gouvernement pour te permettre que le point raille. Donc, moi, je pense que, je dis, je tenu compte de ça, je pense que le président n'a pas qu'à mettre en tête, je dis, que PHTK comme parti politique suffisamment bien structuré pour gagner une expérience. D'ailleurs, sur le plan politique, nous avons pile fois, en pile de politique. Et puis, il y a jusqu'à présent, même si nous avons besoin de technicité pour adresser les problèmes agriculture, problèmes santé, problèmes l'école, problèmes infrastructure, pays, nous avons besoin d'un monde qui connaît la réalité politique en tout pour permettre que le gouvernement soit capable de stabilité pour fonctionner. Parce que sans cette stabilité, on n'est pas capable d'implémenter aucune politique publique. Et puis, MK, il y a une fameuse phrase là sur l'ancien président de l'Ouzoua Rivière, sous pas composé, ou à décomposer, mais c'est que jusqu'à présent, ça a convaincu bon côté population, parce que ça m'a dit là, c'est pas une simple disposition de l'esprit capable de faire le changer. Son niveau de développement économique pays a capable de permettre que, ouais, que la fonction de sénateur, de député, de ministre est une véritable fonction qui baille un monde honneur pour le servir pays. Mais jusqu'à présent, c'est job créé. Parce que le monde dans un job l'État, c'est seul job qui est capable, c'est pas l'État qui nous servit véritablement. C'est ça. Donc, pense que c'est le pays qui peut plus avancer économiquement, que nous capable de travailler de l'autre côté pour que pas penser l'État qui est plus grand employeur qui gagne dans le pays. Parce que c'est un plus gros problème qui pose. Le fait que nous ne pas créer richesse, c'est pas une autre opportunité. Je dis à tout le monde peut bouger sur l'État, c'est le cas de construire tête, construire famille, et gagner peut-être assez d'éléments pour vivre la vie. Donc, je peux peut-être que richesse a créé, mais l'économie, pas dans un niveau
de battre là, faut l'état pas toute pression ça sous dol et laisse à toi bien moins différent pour dans la société à pouvoir voir. Oui, la vie non fonction que nous n'apprend plus pour on va être très honorifique également. C'est la, la possibilité de servir l'état de son pays, de servir son peuple. Mais malheureusement, c'est pas ça que lui, même nous même en tant que sénateur, quand vous avez eu des gens qui ont lutté avec vous lors de la campagne électorale, et bien majorité mon attend que capable bien job. Et c'est ça qui fait quoi après en pile député surtout sénateur ou à qui mon gain face au sénateur qui te fait campagne avec ou après parce que vous faites campagne dans le gouvernement du politique pas fait cadeau politique pas fait cadeau ou pas comprendre ça de là c'est parce que pas gain l'autre côté pour venir job encore c'est pour ça que le débat est toute ville pour garder s'il est capable de venir job là ou pas que l'autre pas venir son grande déception mais quand vous ça seulement fait tout sénateur et politique ça seulement fait alors encore même dans pays étranger gain ça tout venir nous véritable travail et pour maintenant son job que lui mais faut qu'on fait effort pour nous retirer le plus de monde que possible dans travail ça parce que trop on a travaillé dans la politique là faut que nous cap travail dans le secteur privé comme que nous cap travail l'autre côté véritablement et c'est ça tout le drame de ce pays m'a insisté encore pour nous Sergio je demande à mes collègues sénateurs mes collègues de la majorité ainsi que mes collègues tout collègue qui est dans le sénateur je connais pas mal de sénateurs qui acceptent ça il faut que nous fassions ça que nous capables de prendre des mesures pas impopulaires mais des mesures qui portent intérêt mesquin pas si nous ne faisons pas ça, nous croyons que colère population, hein, parce que le Parlement a besoin de donner des signaux clairs à la population, hein, que même si dans la pratique, il est discrédité à l'avance, mais il y a eu quand même un groupe de sénateurs qui arrivent au Sénat, qui croient qu'effectivement il y a certaines pratiques qui doivent changer. Et je pense que là, bon pour le pays, je vous dis par exemple, au niveau du Nord-Ouest, si on a fait 10 millions de groupes pour le sénateur, ben même plan pour mal bétonner deux rues. Technicien dit que les papes qui fait les deux rues, ils font un autre qui picoute parce que l'autre là, il y a un pile travail là-dedans de drainage, tout travail ça. Donc, je implique les magistrats là-dedans, mais depuis le pas fait, il y a des sénateurs qui étaient pour un coup. Donc, on a retiré ça sur tête pas parce que au moins c'est fait loi, c'est deux magistrats et donc, cas avec un projet, donc on pense que nous sommes capables d'être dans le niveau ça. Mais pour nous être dans le niveau ça, population, les mêmes bon signal, vous le bail tout. Le bon l'autre, j'en peux voter tout. Ouais. Ça veut dire que nous avons des bagages pour nous faire tout, mais la population, tout, il y a des gens qui battre pour garder cela fait l'autre monde. C'est déjà une éducation pour éduquer la population, vous connaissez qui a voulu faire tout ça. Et c'est ça qui fait que je pense que je dis, je vais garder tout le gouvernement qui passe, je ne suis pas intéressé à ce pays état de droit, y compris le gouvernement tête calée par nous. Toujours une faiblesse dans le gouvernement tête calée, dans la question état de droit. Pour qui ça, vous permettez des programmes qui visaient pour parler de promotion des techniques de résolution des conflits pour permettre que nous comprenions que ce n'est pas craser nous sommes capables de faire nous de la chita pour nous résoudre le problème, nous faisons compromis, pendant. Pour qui ça que nous avons formation dans ça aux États-Unis, ambassade américaine, de dépenser des corps pour formation au monde, alors que nous sentons sur l'été à n'importe quel moment le cache à virer. Pour qui ça au niveau de l'éducation, nous pas essayer à perculquer sa génération jusqu'à ce qu'à 10-20 ans, que ce n'est pas même nous sommes capables de craser market encore véritablement. Pour qui ça, il n'y a pas fait éducation civique population, j'en ai dit là. Parce qu'on culture d'intolérance. On culture d'intolérance. Pourquoi ça, pas, le gouvernement pas prend ça comme programme état de droit? Est-ce que le programme état de droit a été seulement? Non, le renforcement institutionnel fait ça seulement. Et au niveau de la conscience. Donc, moi, je pense que jusqu'à présent, il faut que nous veuillons. Mais si nous président, en même temps que nous avons investi pour me changer structure, pour me faire autre, nous avons investi dans le changement de mentalité à tout. Parce que je l'ai dit, tout le temps que nous ne travaillons dans la mentalité, ça, à travers les appareils idéologiques, qui sont l'école, la presse, les médias, tout côté ça, eh bien, mon cher n'est pas bien avancé véritablement. Je veux dire, là, qui le sont quoi, président Jovenel Moïse, le tiré de sa passé qui conduit à démission Jean-Guy Lafontaine comme premier ministre? Bon, moi, parler avec le président. Nous, que son président est extrêmement déçu. Il est très déçu et il parlait de l'autre qualité initiative. Il y a pile tentative. Il y a une tentative coup d'état. Effectivement, ça remonte. Ah oui. Quelle fin? Pour renforcer le gouvernement, gouvernement de transition. On connaît que le gouvernement de transition, c'est le gouvernement idéal politicien haïtien. C'est la seule façon pour nous de parler devant la population et pour arriver dans le pouvoir. Gouvernement de transition. Pas de l'autre formule encore, nous. Il dit son nègre. Par exemple, dans l'élection où on a fait 16 votes, on a fait 600 votes, pendant qu'on parlait fort dans la radio, eh bien, les gens intelligents, les gens comprennent que si besoin ils viennent au pouvoir, c'est l'élection, ils vont venir. Donc, meilleure formule qui vous faites, son gouvernement de transition pour permettre que les gens viennent sans pas passer devant l'élection du président, sans pas passer devant le peuple, le monter conseil des sages, c'est le ministre, le tout, tout, pas de contrôle. Donc, je dis, ce n'est pas des décisions qui sont bonnes pour le peuple là.
c'est président insister sur aspect ça. Moi-même, je ne peux pas insister sur aspect ça. Je suis sous faiblesse technique. Parce que, effectivement. Il n'y a pas une leçon que le cas tire pour que la prochaine fois, bah, ça va arriver. J'ai une leçon. Même pas, c'est que le président doit tirer des leçons pour dire que l'équipe qui a conseillé lui. Le président ne faut plus conseiller. Nous-mêmes, nous pensons que le président est son président comme si qui va vraiment être conseillé. Parce qu'en pile fois, il y a des choix que nous, exécutifs, là, prend. C'est des choix, même sous mandat sénateur. Donc, si pas des sénateurs qui ont une personnalité, vous n'êtes pas capable de passer. Donc, nous pensons que le président a besoin de meilleurs conseillers et que le président est supposé tendre mieux tout. Nous n'avons pas de conseil. Et que les conseillers du président doivent savoir que ce n'est pas le président qui a conseillé, c'est pour conseiller le président. Et, si vous avez des conseils côté ces bagages mesquins personnels, en plus, fois, tout trois quatre conseils à Bawa sont conseils qui sont capables de mener côté aspiration et chita véritablement. Donc, moi, je crois que le président doit comprendre que je dis à Foc, mon leadership qui est affiché, même au niveau du Parlement, dans tous les pays, souvent, groupe député et sénateur Cap Coréo, n'est pas mauvais qu'on chita ensemble avec eux. Vous dites, mais ça me pensait du choc des idées, j'ai eu la lumière. Donc, et moi-même, mettre que de l'ordre, c'est même si je bats dans la majorité, même si je bats président de la majorité, pas bien rien on a fait et que moi-même mon expertise n'est pas capable de bailler là-dedans ou pas moi que marcher dehors et c'est ça que nous avons fait, nous avons boudé le président lancé à l'Assemblée nationale, nous avons fait un article, nous boudé à l'Assemblée nationale là. Soit ce que nous avons dit que c'est pas non seulement pas parler, non, je veux faire savoir au président de la République que moi-même j'ai connaissance dans le droit international. Il n'est pas possible que je supporte au gouvernement ou prendre une décision qui est de ça ou pas même de sens. Commandant, vous êtes consulté. Bon, ça a dit que pas besoin. Et moi, c'est que conséquence, président doit retirer moi personnellement ces messages. Autant de fois que conséquence, ça a été agi, nous devons même si décision est bon. Il n'y a pas plus de sénateur que de l'air. Je ne pas dire que samedi, c'est le coup passé, mais au Sénat de la République, une grande majorité des sénateurs qui ont plus d'expérience, qui ont fait un plus de mandat, qui ont gagné tout, qui ont plus de compétences dans le domaine juridique, pour qu'ils s'assient à supporter ou pas acheter ensemble avec eux. Autant de fois que le président va faire comme ça, il a toujours trouvé que nous prenons des positions qui parlaient avec la position. Nous allons refaire l'émission, et là, pour choix pour le ministre et le sénateur Augustin, et je dis à là, et dans les trois temps. Et un peu de fois, au niveau exécutif, je fais des balles au décès. Et vous venez nous, regardez qui vient, même si je vous ai pas une ratification sur le nom, non, c'est une déclaration politique générale, j'ai constitué amendé lien. Qui sont quoi que tu as de fait pour que le président fasse un choix et puis c'est le bon choix pour le Parlement, pour les trois problèmes à clé et puis tout que... d'abord, moi-même, je crois que le président a supposé être un profil. Même si je suis capable de donner ce profil là, c'est dit un. Je dis à pays, un problème, bam, c'est que. Voilà que le président a une volonté pour faire tout le monde dans le pays. Aujourd'hui, nous avons quand même pourquoi vous l'avez fait? Ah, monsieur, c'est moi qui l'a fait. Ou pas, ouais. Alors que l'exécutif a même quoi qu'il y ait un problème de communication, il identifie un ensemble d'obstacles qui bloquent l'initiative. Par exemple, route qui était compte fait à 1 km ou 1 500 000 dollars, il y a même qu'à bloquer parce que lui, il n'a jamais eu moyen pour faire autre comme ça. Mon cher, mon gars. Oui, avec caravane, il prend une stratégie pour mettre à part l'autre côté pour le faire. Mais il bloque, il n'a pas qu'à avancer, qu'il n'a pas avancer. Au lieu de dire, on a identifié qui nous a bloqué, parce que 101 km route nord-ouest à 1 500 000 ou bien 1 million, ou à combien de nous avons, ça veut dire que route n'a pas jamais fait. Autrement dit, tactique ça, t'as plus bon, fait la voie publique, faire route là, et puis payer 100 000 dollars américains seulement pour mettre à ce là. Ça veut dire 15 km route, c'est 15 fois 100 000 dollars américains. Donc, c'est 1 500 000 dollars américains seulement, ça t'a coûté, alors que dans l'autre là, on presque dans 20 millions pour me faire. Donc, moi, je pense que, je dis, il faut que le président mette un monde qui comprend une vision ça, c'est pour le monde qui a parlé dans l'intérêt. Parce que il y a des monde qui te bénéficié de gens qui t'ont fait là. Moi-même, je ne pas voulu que mettre un monde qui tire ça. Au niveau agriculture courant, tout. Président manifesté volonté pour mettre courant, je peux dire ça tout. Président, moi-même personnellement, je vais faire éclairage, je vais faire dans la zone, je vais mettre ça dans le cadre courant. Courant par éclairage. Dans des petits bagages, ils vont nous mettre courant. Mais là, parce que ce n'est pas un seul pays, non? Parce que je regarde, je t'ai utilisé formule ça. Et quand il fait espace côté habitant dispersé, on ne peut pas faire réseau pour eux, techniquement. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire réseau pour eux, mais on nous dit, on a fait éclairage, je ne veux pas parler de courant. On nous met éclairage, on nous met chaque nous. On met courant côté qu'à mettre courant, on nous fait éclairage côté qu'à pour éclairage. Mais on ne dit que c'est courant. Son habitat dispersé par un top choix. Nous comprenons ça, nous comprenons ça. Mais cependant, nous disons éclairage, que nous sommes forts quand même. Mais on ne dit que c'est courant. Donc,
Moi-même, je crois que le président vient avec vision ça, tout le monde comprend comment ça a passé. Il y a un compagnie qui a vendu l'État qui n'a pas une capacité pour couvrir tout le pays à tout. Et il n'est pas capable. Et en même temps, tout contrat n'est pas bon pour l'État haïtien. Eh bien, si le président veut ouvrir le marché courant pour que l'autre monde qui vient faire, on le courage. Pour tenir mon emprise à droit, je vais garder cela dans le livre dans 2 ans. Alors que il y a des obstacles qui identifient. Il y a besoin de monde qui a aidé à faire ça. Il y a besoin de monde qui allait dans ce sens-là. Vos batailles contre la corruption qui a fait dans le pays, et moi, répéter en pile. Il faut que ce monde qui est au-dessus de tout soupçon, il y a un monde qui est capable de comprendre la bataille contre la corruption. Ça. L'expérience que nous avons là, nous avons un premier ministre qui n'est pas vraiment politicien. Il faut que ce monde qui est capable de comprendre la politique. Pour que tout ça m'a dit là, que n'est pas obligé de faire parlement pour aller en face. Parce que je dis, si on monde qui comprend comment ça fonctionne ensemble avec le parlement, comment ça fonctionne avec l'opposition, hein, qui ça est capable de faire, qui ça n'est pas capable de faire. Donc je dis à moi, je pense que faut qu'on ait un minimum d'expérience politique, faut qu'il y ait accès vers le développement, tout le technique, même les pas technicien avec le président, mais il comprenne un jeu, hein, qui obstacle qui vient. Hein, comment on est capable de parler avec mon Dieu tout parce que tout le temps, c'est pas bataille tout le temps. Par exemple, je dis à moi que le président, on tient une bataille avec presque tous les secteurs. Et puis, en plus, on a conseillé par ça. Grand secteur économique qui a bataille avec le président, gros force. International, là, grand secteur qui a bataille avec lui, gros force. Les partis politiques qui a bataille avec lui, gros force. C'est sur le Parlement que le président a des alliés. Un président pas amené 5 4 batailles en même temps. Parce que là, il faut qu'on capte dans le camp et acheter le secteur 4 batailles ensemble avec. Qui estime que vous pouvez acheter 4 dehors. Moi, je pense que je dis à le président supposé réfléchir sur l'aspect ça. Mais seul, ça me capable de dire ou pas mener 4 5 batailles en même temps. Il faut que vous réduisez la bataille pour prendre bataille ou penser plus fondamental pour nous pour capable de venir des alliés. Parfait. Je pense que c'est ça excellent. Mais toujours venu, on va le finir. On a fait choisir le gouvernement, c'est le partage de responsabilités. Au niveau du Parlement, M. Damien Comblé, que il y a des ministères, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut que c'est le même qui l'a même pour. C'est pas le même bail là, et vous choisissez le ministère, vous montez le cabinet ministériel là, et c'est la tour du stade. Moi, pour chita avec collègues, la position PAM, c'est que faut que nous ayons le président possibilité pour choisir le gouvernement. Bah, les possibilités à travers un profil que nous sommes sur le bail là, nous sommes capables de faire véritablement. Mais ça, ce n'est pas position majorité. Ce n'est pas position Sénat ou Chambre députée, c'est position PAM, parce que. Pourquoi est difficile de passer? Oui, pour votre tradition que je dis. Pas toujours là. Et même si nous sommes capables de majorité, m'a parlé, chaque sénateur est un sénateur. Bah, président, tout sénateur, comme c'est m'a décidé pour eux véritablement. Comme ça, laisse à l'âge, si vous faites contrôle là, parce que vous ne jugez pas. Ouais. Mais moi-même, tu as souhaité effectivement qu'on laisse la latitude du président de la République pour lui-même être capable de choisir, nous capable de premier ministre, et que le Sénat puisse, le Parlement dans l'ensemble, puisse capabilité dans la capacité de s'arrêter le contrôle de l'action gouvernementale. Bon, évidemment, ça va empêcher que tout le monde des sénateurs qui est des gens qui proches parce que son parti politique, son régime, depuis le régime dans la politique, il y a des gens qui bataillent pour lui, il y a des gens qui sont en droit dans le régime que vous avez, ils sont capables, même sans que ce n'est pas une question de sénateur, pour poser tel groupe, mais moi, quoi que je dis, faut au niveau du Sénat que ce n'est pas nous-mêmes qui premier glouton. Parce que nous ne parlons pas de glouton qui a parlé par là. Tout le monde qui a fait le premier ministre là, même le premier ministre là, parce que moi, pas de leadership au niveau gouvernement et que j'ai des décisions qui prend et que présence parle pour moi-même, tu as compromettre davantage la stabilité politique au niveau du pays après l'événement 6-7. Mais je vais dans bien mon tout, c'est deux heures d'il pas carré en plus, son autre agenda que le gain. Bon, garantie, ce même qui a parlé de Nao, après comment on va imposer président ou ensemble de premier ministre à tout le monde, ça, même j'en dis là des parlementaires, parce que faut que font effort pour permettre que le président lui-même choisisse un monde qui conforme à la vision politique lui et que le président lui-même tout choisisse un monde selon le profil que nous avons défini là et surtout la capacité politique que nous sommes capables de gagner pour aider le président à comprendre comme monde fondamental dans l'exécutif là que le pas capable de battre avec tout secteur international qui pas d'accord là mais d'Haïti opposition qui pas de jambes bleues qui continue à battre véritablement ou bien PHTK parti PAO qui a des problèmes frustration véritablement ou secteur économique qui a des problèmes ensemble avec vous. Donc, moi, je crois que le regard du tableau, ça, et
couple qui faut passer un gars, ou un bon bagage qui se passe là, je vais décider de faire l'autre couple encore, il est capable très fatal pour le président, qui fait que me dit président, du point de vue politique, il faut que lui revise la stratégie pour comprendre que l'on a fait une bataille, il ne faut pas accepter qu'on perdu, pour ne pas mener 5 batailles stratégiquement encore une coup, c'est pour créer des alliés parmi l'autre, pour permettre de mener une bataille co-estimée qui est plus fondamentale pour nous-mêmes, hein, qui se permettre que ou bail courant dans le pays, qui se permettre que ou créer route dans le pays, qui, avec un prix réduit par rapport à ça l'état qu'on fait auparavant. Voilà, sénateur Augustin, tu es content parce que tu es avec nous à la mise au point. Merci en pile et très certainement, on a bien voulu parler pour nous connaître qui genre bloque la majorité à comprendre ensemble de consultations que les agents nous ont fait. Vous voulez désigner le nouveau Premier ministre haïtien. Merci infiniment. Merci en pile, Sergino. Moi, content pour nous participer dans la mise au point. Deuxième fois ou bien première fois? Première fois. Première fois, je participe dans la mise au point. Féliciter tout pour l'opportunité côté de moi pour nous parler avec Nation. On est sénateur, extrêmement important que le pays a compte qui soit pensé. Autant de fois que des gens qui ont une bonne volonté qu'on s'est parlé, même s'il n'est pas dans la majorité, mais dans le pile collègue qui a une bonne volonté, je souhaite que la population entende pour nous donner l'autre modèle de dirigeant dans le pays. Voilà, invitez-nous, deuxième invité du matin, sénateur Nord-Ouest, Kedler Augustin, malheureusement, on va parler de comment ça va pour Kafoujof, ça follet. Ce serait même un gros victoire, on a besoin de temps. Oui, oui, oui. Je n'ai pas de l'âme, je fais un contrôle parce que c'est veillé ma vie à chaque instant. Des bouffons lagués en pile négligence. Même quand mon côté a fait un nouveau monde la crête, l'élargie réduit entre l'entour, parce que son bon bagage, parce qu'il y a plein d'accidents qu'on fait là. Et puis, nous n'avons pas fini de comprendre Kafoujof, ça follet à tout. Je souhaite que le gouvernement, au niveau de la communication permet de comprendre quoi qu'on met télévision nationale plusieurs fois sur le terrain pour expliquer. Mais il y a des gens qui jusqu'à présent pour comprendre que route la partie plus facile là, c'est mettre en asphalte là. Ce qui est plus difficile là, c'est faire travail, terrassement, travail pour filage, tout ça, drainage, et puis des travaux en maçonnerie qui vient pour faire un pile d'eau. Et je pense que c'est là qui est plus important. Ça fait que nous sommes ça. Ça, c'est que de PAM, c'est que de président, me dit président, dans tout ce pour mettre qui ça me cap camper. Il dit, on met quoi que nous avons fait Kafoujof là. Mais malheureusement, je dis pour le président, à chaque instant, je sens qu'il y a une négligence. Négligence qui soutient à l'étude. Problème l'argent. Bon problème de communication, il faut que le gouvernement explique à la population l'état des finances publiques. Parfait. Voilà, merci tout le monde qui est avec nous. Surtout, suivez-nous en direct. Parce que tout passe une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. Surtout, bonne semaine avec TNH. À bientôt. Merci.